tiers livre, atelier d'écriture. C'était un cycle qu'on a appelé outils du roman. On arrive à la 19, ça veut dire l'arrivée d'un cycle. Oh, on va se faire une 20, hein, juste pour lâcher un peu les lions dans tous les coins. Est-ce que c'est vraiment un aboutissement? Non. Ce que j'ai essayé, là, c'est de multiplier les exercices, même celui-ci aussi, vous allez voir, qui soit poreux vers le devant, qui soit lancer des choses comme des petites prises d'escalade pour s'accrocher sur le devant ou faire que dans cette espèce d'inconnu où on avance, on est comme des photos, vous savez, sous le révélateur, des images qui montent. Bon, on ne sait pas ce qu'il y a à côté, on ne sait pas d'où elles viennent, mais en tout cas, comme si ces bribes qu'on a commencé à établir pouvaient vous inspirer, pouvaient vous laisser venir vous-même. C'est pas une question d'écrire mieux, c'est pas une question d'écrire plus, de faire des plans, etc. C'est juste que se laisser prendre. Ces choses que vous avez écrites, c'est vous qui allez vous glisser vers leur, dans leur proximité ou vers ces lieux très flous, partiels encore, lacunaires de révélation. Et parce que vous aurez changé le lieu où vous-même vous serez pour écrire, c'est là où ça va s'installer et que ça s'appellera roman. Pourquoi? Tout simplement parce que ça collera mieux avec cette nécessité intérieure, mais qui ne précède pas l'écriture, qui se révèle par elle et avec elle. Alors, il me manquait une petite étape encore. Alors évidemment, tout ça se croise, se mélange. On reprend des chemins même qu'on a déjà un petit peu tentés. Par exemple, l'exercice « Parler du mort », c'était « Parler à la première personne », un exercice à la première personne. On va reprendre cette piste-là, mais on va la reprendre autrement. Ça voulait dire quoi, la prendre avec un mort? Ça prendre avec quelqu'un qui n'interagit pas avec le réel? La prendre avec quelqu'un qui, a priori, s'il est dans une temporalité, s'il est dans un savoir ou une subjectivité, n'est pas dans une interaction spatiale. Là, je suis un peu langue de bois, mais pas tant que ça. Eh bien, c'est ça qu'on va rajouter. Alors, j'étais un peu à tâtons, comme je suis souvent. Il y avait toujours cette envie de le baser sur les auteurs américains d'aujourd'hui. Finalement, ça ne va pas être un Américain, ça va être un Anglo-Canadien. J'ai pas mal été fouiné, regardé, respiré. Je vais vous dire ce qu'était mon idée de départ, qui ne va pas être celle qu'on va suivre. Mon idée de départ, c'était, on a chaque texte, chaque proposition, 18 fois, comme quelque chose d'extrêmement précis, comme un bloc avec des luminosités très tranchées, très contrastées. Moi, je gambergeais un petit peu à ces récits où on a souvent, par exemple, des choses en voiture, ou des choses entre un cadre et une vitre. On a travaillé aussi ça, sur ces questions de fenêtres. C'est-à-dire, le titre que j'avais d'abord en tête pour cette proposition, c'était « À distance ». C'est aussi le titre d'un texte d'Henri Michaud. Dans ce « À distance », j'aurais voulu vous proposer de dire ce que vous avez traversé en le décrochant, en l'attirant, en le harponnant. Eh bien, on le voit de loin, on le voit qui défile, on le voit qui part dans sa propre direction, ou bien c'est vous qui cheminez vers la vôtre. Et qu'est-ce qui reste? Par exemple, qu'est-ce qui reste après lire? Qu'est-ce qui reste après lire du Balzac, du George Sand, du Marguerite Duras? C'est-à-dire cette impression d'une tonalité, d'une voix, d'une tonalité, d'une façon de tenir les images, de les tenir proches, lointaines, d'en organiser le mouvement, l'avalement. Et ma première idée, là, depuis une dizaine de jours, c'était de dire, pour cette 19, on va essayer que vous repreniez ce que vous avez fait, non pas en le considérant comme 18 pics, 18 îles, 18 blocs de pierre, là, dans cette rivière qu'on traverse à gué. C'est la rivière qui compte, c'est pas de la traverser, c'est le fait que vous traversiez, la rivière surgit et coule. Ça, c'est une métaphore
que je pourrais défendre. Et se dire, ces éléments séparés, distincts, qu'est-ce qu'ils nous disent de cette tonalité? Quand, dans le texte, par exemple, quand Proust parle de Nerval, il parle de la tonalité violette, de l'importance de ces couleurs bleues-violets dans Sylvie. Et c'est ces choses-là où j'aurais voulu qu'on entre. Et puis, évidemment, Gamberger, c'est percevoir que tel quel, ça ne suffisait pas encore. Et la deuxième étape, ça a été, en fait, raconter comment je chemine vers une proposition, c'est la proposition. Donc la deuxième étape, c'était de dire dans quelle hauteur j'ai cette impression-là que la tonalité est ce qui domine, qu'on me fait traverser une tonalité et que précisément parce que je suis dans cette espèce de mood, de paysage, de sensations, d'émotions, de choses visuelles, parfois très proches, parfois très éloignées, à ce moment-là, les toutes petites choses qui concernent situation, action, elles deviennent des nuances, mais elles prennent leur amplitude, leur importance, parce qu'elles sont contenues dans ce paysage, cette sensation. Et alors me revenait en particulier de Malcolm Lowry, ce livre qui est un petit peu raté, mais que j'aime beaucoup, En route vers l'île de Gabriola, parce que justement, le monologue intérieur part du fait qu'on est en train de voyager en autobus. Ce qu'on rejoindra, ce ne sera pas du tout la promesse qu'on cherche à rejoindre, mais toutes ces sensations, elles partent des arrêts du bus, des choses, des discussions à la halte, elles partent de ces trucs d'endormissement, de ces choses qui défilent, du fait qu'on prend un bac, qu'on passe. Voilà. Alors là, je commençais à être un petit peu dans mon élément, et effectivement, Under the Volcano, je ne l'ai pas en français, mais c'est un livre avec ce principe de construction par cercle, c'est-à-dire qu'on décrit, mais cette époque différente, la même journée, la même fête des morts au Mexique, et effectivement, cette sensation que j'avais, elle est justifiée, c'est-à-dire évidemment, l'action est dure. À la fin, le consul meurt, mais à chaque instant, c'est cette tonalité, c'est cette interaction contenue entre les personnages, c'est la proximité des lieux, mais toujours cette distance des lieux, ne serait-ce que par l'alcool du narrateur. Et donc, ça ne me donnait pas mon point d'appui. Le point d'appui, je l'ai trouvé. Alors pour moi, c'est un titre, c'est tous les titres de Lowry sont beaux. Dark as a grave where my friend is laid, sombre comme la tombe où est enterré mon ami, je ne sais pas comment ça a été traduit. Et puis celui-ci, Hear us, O Lord, from heaven. Traduit chez Maurice Nadeau autrefois, écoute notre voix, ô Seigneur. Alors des nouvelles, il y en a d'autres chez Lowry, Ultramarine, etc. Il y a le recueil de ses lettres, je crois que ça a été réédité dans l'imaginaire, ça, quand on travaille l'écriture, c'est hyper important, parce que vous voyez quelqu'un au travail d'écrire. Et il n'y a pas meilleur que ça, c'est-à-dire parce que vous êtes avec celui qui écrit, eh bien, votre propre rapport à l'écriture, c'est ça que vous... C'est ça qui se remet en travail malgré vous. Alors écoute notre voix au Seigneur. C'est un ensemble de textes, il y en a 7 ou 8, ils sont assez longs, en particulier le dernier, et ils ont cette qualité différente des autres textes de Lowry, qu'ils concernent de beaucoup plus près, précisément, c'est un auteur qui parle, ou un personnage qui lui-même écrit. En particulier un texte qui s'appelle « Éléphant et Colisée ». C'est une déambulation dans Rome où le narrateur arrive dans ce cimetière, c'est près de la tombe de Caius Celsus, où sont enterrés aussi bien Antonio Gramsci que, évidemment, Keats, Shelley ou Byron. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est une méditation sur les tombes de Keats et Shelley. Et puis... cette réflexion-là fait que ce type vient chercher à Rome,
dans sa propre difficulté à écrire, ce qui est récurrent chez Lowry, ben ça se remet en travail, même si cette patte, évidemment, ne donnera pas de solution. Il y a une autre nouvelle, Pompéi, aussi. Et la plus importante en longueur, du moins, c'est Sentier de la Source, je pense en anglais à peu près la même chose. The Forest Path to the Spring. Sentier dans la forêt. Sentier dans la forêt vers la source, The Forest Path. Évidemment, là, on oublie la forêt, mais le sentier de la source, c'est beaucoup mieux. Et c'est une sorte de déambulation à la première personne, quand je vous avais dit sur la 18, de partir sur histoire vraie, les discussions qu'on a eues là-dessus, où on l'apprend, cette histoire vraie. Moi, dans ma tête, il y avait ça, quelque chose de simple, c'est-à-dire là. Laurie et sa compagne Marjorie habitent près de Vancouver, dans cette espèce de cabane sur pilotis, dans un estuaire. Bon, c'est une période qui est bien connue, on a plein de photos, etc. Et c'est simplement la balade qu'il fait, lui, a priori, pour une fois, Laurie lui-même, pour remonter du cabanon sur pilotis jusqu'à... à travers de la forêt, bien sûr, mais c'est quelque chose, la forêt canadienne sur la côte ouest, vers cette source. Et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, c'est des impressions, des perceptions, mais c'est la rumination intérieure. Et cette rumination intérieure, est-ce qu'elle est le fait d'un personnage ou le fait de l'auteur lui-même ? Bien, là, l'auteur se traite lui-même comme un personnage. C'est bizarre, mais précisément, ce n'est pas une situation de crise, il ne se passe pas de l'action, simplement c'est le chemin à travers la forêt qui part de la maison et qui remonte vers la source. Et l'autre nouvelle, c'est celle, est-ce que c'est celle qui ouvre le livre ? Brave petit bateau, non, c'est la deuxième. La deuxième aussi en longueur, ça s'appelle La traversée du Panama. La version anglaise, Frau of Panama. Tchou ! C'est pas la traversée, c'est Frau of Panama. Bon, quand tu pars en bateau à cette époque-là de la côte ouest du Canada et que tu veux revenir en Europe, ben, ça descend, ça contourne la Californie et le Mexique, ça prend le canal et ça traverse l'Atlantique. C'est une belle réalisation humaine. Et ce qui est fascinant là, c'est que c'est un journal avec, par exemple, une chanson française, c'est « Frère Jacques, Frère Jacques ». Eh bien, la comptine, la toute petite comptine, « Frère Jacques, sonne les matines », elle figure en français dans le texte original en anglais, précisément parce qu'elle est uniquement cette sorte de chose rythmique par quoi Lowry essaye de rendre compte du... Broum broum, ça c'est Sandra, hein, transsibérien. Le vroom, lui il écrit le vroom vroom des roues, c'est-à-dire cette espèce d'onomatopée qui rend compte de ce qu'il y a de cyclique dans le bruit qui emmène le bateau tout au long de sa traversée. Et puis là, bon, je vais le scanner, mettre un PDF, vous baladerez dedans. C'est tout simple, c'est de l'observation, c'est un journal, c'est le journal d'un personnage. Et ça, c'est ce que je voulais simplement vous demander. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par cette histoire du « à distance », de la tonalité, de la voix, des sensations. Le personnage, c'est pas vous. C'est quelqu'un qui a traversé vos récits, quelqu'un que vous avez convoqué brièvement, longuement, de façon centrale, de façon périphérique. Eh bien, il prend la parole. Il prend la parole et c'est juste ça où, pour nous, il y a un enjeu dont je pense qu'il est essentiel pour la littérature en général, mais pour cette idée de roman, là, pour ce qui nous concerne tout de suite. Ce journal du personnage, il ne va pas interagir avec l'histoire. Ça, c'est votre job d'auteur. Donc le personnage, dans son journal, il vit sa vie, mais il vit sa vie sans vous. Comme pour l'histoire vraie, ce personnage, il a décidé d'aller faire sa balade d'après-midi à travers la forêt qui remonte vers la source.
ce personnage, il est en train de regarder les rives qui défilent du canal du Panama depuis son paquebot, et puis il prend des notes sur les oiseaux, sur les sons, sur les autres passagers. Il y a des choses documentaires qui s'écrivent dans des cases de la marge. C'est un journal qui est daté à tel endroit, plus tard, l'arrivée dans l'Atlantique. Je vous laisse tout simplement y jeter un œil. C'est pas très important. Pour moi, c'est plus cette idée de dire qu'est-ce que Malcolm Lowry a basculé de la littérature qui fait que le roman, depuis Under the Volcano, n'est plus la tradition du roman, mais que comme ça se passe chez Nerval, comme ça se passe chez Proust, comme ça se passe aussi chez Julien Gracq, je pense à Un balcon en forêt, je pense aux lettrines, de passer par ces sensations, ces perceptions, sans vouloir introduire des situations, sans vouloir introduire des scènes ou des actions, mais avec cette idée de mouvement, avec cette idée de défilement, c'est ce travail sur l'impression. Si les peintres n'avaient pas inventé l'expression impressionniste, ben on le ferait nous aujourd'hui. On va être les impressionnistes de la suivi d'un personnage. Et c'est comme ça que votre personnage il va franchir une base d'existence. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle au jeu. Et comme il raconte des histoires qui ne sont pas celles de votre roman, eh ben, c'est vous qui allez apprendre de lui ou d'elle. Et ce qu'il ou elle va vous apprendre de ce qu'il ou elle voit de près, de ce qu'il touche, de ce qu'il sent, de ce qu'il entend, y compris peut-être de scènes qui sont déjà évoquées dans vos passages, parce que ce sera juste traité dans l'ordre des sensations, des perceptions, du mouvement, mais que ce personnage dit « je » et tient son journal. Si c'est le sentier de la source, c'est l'après-midi de 14h à 17h. Si c'est la traversée du Panama, ben c'est sur une grande journée ou deux jours, je ne sais plus, parce qu'il y a le bateau avant et le bateau après, ben c'est un journal. C'est de tenir le journal dans la vie ordinaire d'un de vos personnages. Simplement, toutes ces sensations, toutes ces perceptions, elles vont rejaillir, interférer avec ce que vous avez déjà écrit et tout aussi bien ce que vous n'avez pas encore écrit. Et c'est pour ça que moi, j'en avais besoin comme matière. Aujourd'hui, vous prenez un ou une personnage et vous le laissez vivre dans sa vie à lui, sa vie à elle, sa remontée vers la source, comme dit Malcolm Lowry, ou sa traversée du Panama. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on va garder comme titre. On traverse le Panama. Simplement, nous, c'est avec Malcolm Lowry. Et rendez-vous très très vite pour une toute dernière. La dernière du parcours ensemble. Ce ne sera pas la dernière de vous et le roman.